C'est vraiment qu'on parle de hockey ici. Il va nous arracher à pied. Non, mais je l'aime. Oui, oui. Il faut juste le. Oui, exactement. Il vient d'avoir 22 ans. Ça prend quelqu'un. Pour le driver, pour le motiver. Un gars comme Roy, là, Piqué le regardait de même. Fait que lui, il a gagné 3, 4, 5 Coupes Stanley. 3, 2 Montréal. 4. Respect. Je parle des séries. On parle pas des séries, non, man. Lui, il peut parler des séries. Moi, on fait une petite entrevue croisée. Oui. Jeanne Jeanne qui s'en va. Tu sais, t'es là pour le film. Les Simisacs. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans le film? Je fais le forgeron Riopelle, qui est l'homme fort du village. Puis son poste est remis en question par les Simisacs. Il décide de s'impliquer dans le village en faisant du développement de business. Puis ça devient une opposition. En fait, une grosse partie du film, c'est une fable, c'est cross-side. Non, non, pas loin. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Et toi, t'es là pour bosser. Oui. Ouais. Merci de m'entendre. Et dans Bossy, tu joues Coco. Coco. Un coach. Coco dans Goom. Je suis toujours inquiet quand il dort. Il y a une baguette. Place tes lunettes, là. Merci, Guy. Ça va, là. Ça glisse. Là, ça va. Action. Vous avez déjà travaillé ensemble? Jamais. Non. Hein? Si. Jamais. Jamais. Il me semble que vous êtes comme de la même famille professionnelle. Ça fait très, ça. Je pense que oui. Qu'est-ce que... C'est ça qui est dommage dans notre carrière. Des fois, il y en a que tu rencontreras jamais. Ok. Hein? T'aimerais ça, le beau vouloir. Il faudrait que tu fasses une liste. Mais j'en ai une liste. Un wish list. J'en ai plus, mais il y en a que tu ne pogneras jamais, et ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que les projets sont tellement longs à développer. Ouais. Puis, par le temps que ça aboutit, l'autre est sur quelque chose d'autre. C'est ça, ta vie passe, puis il y a une ça, t'es touché par les artistes. Donc, manger du bon chez nous. Arrête, Donc, il faut juste espérer. Ou écrire des projets, puis tu pousses, puis tu fais, c'est lui que je veux, c'est elle que je veux. Puis, ou vous résigner à jouer seulement une game de pool ensemble. Mais tu penses, tu dois être bon au pool, il doit être bon. Non, moi non plus. Oui, au hockey sur table. Ah oui, c'est oui. Revenons. T'as joué un jeu de hockey sur table avec des bonhommes en métal? Oui, je l'ai encore. Tu l'as encore? Je l'ai fait mon yes, sir. Ça, c'était la vraie affaire. Le puck, il était dur en tabarouette. Ouais. Quand t'arrivais à fondre, tu l'avais encore. Non, j'ai encore tout ça. Moi. Ah oui. Ouais. C'était Maple Leafs et Canadien. Exactement. Puis, plus jeune encore, on avait les 6 équipes. Oui. Et à un moment donné, on devait jouer avec des bonhommes, mais il y avait des équipes, il manquait des joueurs. Ils ne se présentaient pas. Moi, j'ai acheté un jeu, tu sais, le Wayne Gretzky machin, là, en plastique, qui est un jeu. Sérieusement, la structure est à chier. Mais les bonhommes étaient écœurs. Ah ouais? Et j'essaie tout. Ils ont encore. J'essaie tout. T'avais quel âge à l'époque? J'étais vieux, là. Ok. Oui, c'est déficient. Ok, d'accord. J'essaie tout. T'as-tu encore ton Bobby Orr? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon Bobby Orr, bonhomme? Ben oui. Ben, je me suis fait. Après la victoire de la Coupe Stanley, je me suis fait une petite chapelle dans mon bureau. Ben, tu sais, un petit bout de tablette. J'ai mon Bobby Orr. Il y a un de mes techniciens qui m'a ramené une réplique de la Zamboni. Il est allé dans son garden. Les fans, ils ont tout acheté dans le magasin. Le garden. Fait que, ouais. Oui, j'en ai encore certains. Voyons. Le Bobby Orr. Moment de vie. L'urine de Bobby. Ah, oh, ouais, t'es belle. Je l'ai aussi, même si je suis un grand poisson, mais Bobby Orr. C'est vrai que quand Bobby achetait le drapeau, là. T'as-tu vu ça? Non, moi, j'ai tout vu ça après, puis j'étais en France. Ah! J'ai pogné une game en France entre les Canucks et les Bruins, mais décrit par des Français. C'était fabuleux. Hein? Le palais. Ouais. Oh, shooting! Oh. La game, elle devient ça de moins viril. C'est plus viril, là. Ça
marche plus. Là. C'est plus viril. C'est pas parce qu'ils connaissent pas ça, mais... Non. Tu t'attends à du ballet ou quelque chose. Moi, j'ai assez. Tu vas dans Bossy, tu joues un coach de vie. As-tu déjà eu un coach de vie, toi? Non. Non. Il y a des coachs de hockey, mais j'ai pas Tu pourrais faire ça, moi, avec des acteurs, coach de vie. Oui. Pense pas grand chose à coacher côté vie. Vraiment. Le mal est fait, là. Il n'y a plus rien à faire, c'est ça? On a des poignées des mauvais plis. Ouais. Puis, peu importe, quand tu as poigné tes mauvais plis, peu importe ce que tu fais après pour les défaire, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est fait, c'est fait. C'est comme un gros pli dans le cuir. Il n'y a rien à faire. C'est à partir de quel âge que le pli ne se déplie plus? Ça peut être de très tôt. Ah oui, hein? Il y en a qui sont rigides dès leur jeunesse. Ah ouais. C'est vrai, hein? C'est comme... Ah oui. Et on les admire. Ouais. Merci beaucoup.